Carl. Tout ce que je voulais, c'était vivre en paix, mais... tout ce que je touche s'effrite entre mes doigts. Tout ce que je voulais, c'est que mon peuple soit libre. Mais au lieu de ça, je les ai tous menés au désastre. J'essaie de trouver des réponses, mais tout s'effondre en même temps autour de moi. Je ne veux pas faire couler de sang, quelle que soit sa couleur. Mais je ne peux pas les laisser nous massacrer. Je dois prendre une décision qui affectera des millions de vies. Mais je ne sais pas quoi faire. Vous me manquez, Carl. Vous me manquez tellement. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêts à me suivre ? Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame la Présidente ! A-t-on arrêté le leader des déviants ? Le déviant connu sous le nom de Marcus n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Madame la Présidente ! Un convoi de cobalt médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs ? Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Madame la Présidente ! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires ? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. S'il vous plaît ! Madame la Présidente !
Madame la Présidente, l'opinion publique semble de plus en plus favorable à la cause des déviants, surtout depuis qu'ils ont adopté une approche pacifique. Quelle est votre réaction à ce sujet ? L'opinion publique est une chose, la sécurité nationale en est une autre. Ces déviants sont dangereux, et ma priorité absolue est de protéger le peuple américain. Merci. C'est tout pour l'instant. Ils vont de maison en maison pour arrêter les androïdes. Ça ne va pas être facile de passer. Le dernier bus part dans 20 minutes. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Est-ce que ça va ? J'ai vraiment froid. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas ! Je n'ai rien fait ! Regarde ça, c'est bien général. Plus tu cherches, plus t'en trouves. Tant qu'on n'aura pas à passer la nuit ici. On se les aime carrément, là. Ça va prendre des semaines pour nettoyer cette ville. Crois-moi, on est loin d'en avoir fini. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance. Bouge-toi. Allez, on dépêche. Attendez-moi là. Laisse-moi y aller, Kara. Non. Reste avec Alice. Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrerai juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non. Non, je vous en prie! Saloperie d'androïde. Tu nous as sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Où est la petite fille ? Elle va bien, elle se cache près d'ici. Allez-y avant qu'il vous voie.
de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. On devrait peut-être faire un détour pour éviter le danger. On n'a plus beaucoup de temps, on risque de rater le bus. Oui, mais c'est peut-être plus prudent. Je n'aime pas les humains qui ont des armes. Ils me rendent nerveux. Reste calme, ok, Luther ? Ne fais rien avant mon signal. Papier, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas ? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez ? Ma fille a passé la nuit chez une amie. On est allé la chercher, on rentrait chez nous. Il se doute de quelque chose. Reste calme. Tout va bien. Tout va bien, petite ? Elle tremble. Un problème ? Elle a froid. On doit la ramener à la maison au plus vite. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Il y a des déviants en ville et les hommes sont sur les nerfs. Rentrez vite chez vous. Merci. Hey, attendez un peu. Il sait, Kara. Ils vont nous tuer. Surtout ne fais rien, Luther, tu m'entends ? Ils vont nous tirer dessus. Ils vont tuer Alice. T'as fait tomber ça ? Merci. De rien. Nous sommes en direct de Détroit, où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente. On y est. Le moment de vérité. Rendez-vous immédiatement. Vous nous ouvrez votre mal. Tenez-vous prêts. Nous ne voulons pas d'affrontement. C'est une manifestation pacifique. Je répète, rendez-vous. Nous devons ouvrir le feu. On ne peut plus faire marche arrière. Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre encontre. Nous venons en paix. Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre.
Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés ? Oui, Michael. Nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos cieux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. La gare routière ! On est arrivé, Alice, on a réussi. Le dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de tickets, ils nous laisseront pas monter. On est coincé ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? On dirait qu'Oliver t'aime bien. Ne bougez pas. Elle est à vous ? Oui. Elle est adorable. C'est bon. J'ai les sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de rater le bus. T'as bien les tickets, hein ? Oui, chérie, super. Dans mon sac. Allons-y. Contrôle de sécurité. Ne bougez pas. Contrôle de sécurité. Je suis désolée. Pardon, je suis vraiment désolée. Je les avais pourtant. Non, mais c'est pas vrai. Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre ? T'as bien regardé dans ton sac ? C'était dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard ? Nos tickets de bus étaient dedans et... Laissez tomber. Non. Désolée. Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Je suis désolée, chérie, je sais pas ce qui s'est passé. Ils étaient juste là, dans mon sac, je... Ne bougez pas. Ma fille. Toi ! Tu m'as volé ma fille ! Todd ! Sécurité ! Par ici ! Ne faites pas ça, Todd. Ils nous tueront si vous nous dénoncez. Quand votre femme vous a quitté, elle a emmené votre fille. Vous ne pouviez pas vivre sans elle. Alors vous avez acheté un androïde pour remplacer votre petite fille. Vous pensiez être capable de l'aimer. Qu'elle vous aiderait à oublier. Mais rien ne pourra remplacer votre enfant. J'avais besoin de me prouver que j'étais un bon père. Qu'elle avait tort. Mais j'ai tout gâché, comme d'habitude. Elle avait raison, finalement. Je ne les méritais pas.
Mais ma fille me manque tellement. Si tu savais à quel point elle me manque. Y a un problème, monsieur ? Non. Je me suis trompé. Désolé. Bonne chance. Oui, tenez, les voilà. C'est bon, allez-y. Qu'est-ce qui va arriver à cette famille et à leur bébé? Est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous? Non. Non, bien sûr que non. On doit finir la barricade. Allez, aidez-moi. Hey, venez m'aider. Ok, ça devrait être bon. Je sais que c'était pas une décision facile à prendre. Mais je suis sûr qu'on a bien fait. Tout va bien ?
Ils ont tiré sur la foule. Tant d'entre nous sont morts. Ça aurait pu être moi. J'ai peur, je ne veux pas me désactiver. C'est normal d'avoir peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais je ne les laisserai pas massacrer nos frères. Et je sais que toi non plus. On n'aurait peut-être pas dû demander notre liberté. Rien de tout ça serait arrivé si on avait gardé le silence.